est toujours, comment dire, on est toujours au Clos Landry, toujours avec Michel, il est toujours œnologue. Alors, on espère que ça se passe bien. Oui, on a eu un énorme souci technique de son, et oui, normalement, notre responsable qui est derrière la caméra a normalement réussi à le résoudre, sauf que on espère que ça va tenir. On espère que ça va tenir. En tout cas, on est toujours avec Michel, on est toujours au Clos Landry, on va toujours parler durant cette semaine de viticulture, et en l'occurrence, le monsieur qui est avec moi là, il est œnologue conseil à la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, et si vous avez des questions à lui poser, c'est le bon moment. On était en train, juste avant que ça coupe, on était en train de parler de ton rôle et de ta relation avec les viticulteurs que tu vas rencontrer. C'est aussi un moyen de les rassurer, de les sortir d'une certaine solitude dans laquelle ils sont quelquefois. Bon, solitude, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est vrai qu'être seul en sa cave, des fois, à goûter des vins, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'être très objectif sur son vin, son produit en fait. Donc moi, j'arrive en complément de leur dégustation et de leur dire, regarde, là, donner une vision extérieure en fait du vin. Attention à ton vin, là, et tu prends telle direction qui n'est pas forcément très bonne, reviens vers ci, reviens vers ça, voilà. Non. En étant toujours très diplomate et très, ben oui, parce que en plus, très, très rond, très, voilà. On voit les vignes du Clos Landry, et c'est vrai que souvent, il y a un œnologue à demeure avec lequel il faut travailler, et c'est là que toute la diplomatie fait son œuvre, c'est-à-dire qu'il faut aussi... En général, quand on vient, c'est que l'œnologue est d'accord pour qu'on vienne. Ouais, bon, enfin, ça se passe plutôt ça se bien. Ça toujours bien en général, voilà, oui. Nina nous dit ciao, ciao Nina. Annie nous fait un coucou, Jean-Jacques nous fait un coucou, et Dominique nous fait un coucou. Et on attend que ton chef de service qui s'appelle... Cyril Giunti nous... Et grâce à qui on a su qu'on avait un petit problème technique, vienne nous retrouver. Béatrice, bisous. Eric, bonjour. Joséphine, vous avez toujours de bons reportages. Joséphine Mattei, merci. On va remonter vers la cave. C'est où? C'est vers là? Allez, on va vers là. On va rencontrer Marc. C'est avec lui maintenant que tu travailles plus. Oui, oui, maintenant, c'est vrai qu'au départ, c'était Cathy qui m'a appelé pour venir un peu les épauler sur le domaine, et maintenant, c'est Marc qui a pris le relais. Il y a la transition, c'est très bien faite entre la mère et le fils, et puis on travaille très très bien avec Marc et avec le œnologue Christophe, qui est œnologue à demeure sur le domaine. Ça fait longtemps qu'il est là, Christophe? Christophe, ça fait, alors je ne dis pas des bêtises, mais c'est la troisième année, il me semble. On parle de transition, est-ce que le fait de passer la main comme ça, c'est souvent dans ce genre de situation aussi que tu interviens, parce que c'est là où on peut se poser des questions sur l'évolution du vin, l'installation de nouveaux viticulteurs aussi. Une grande partie de mon travail à la Chambre d'agriculture, c'est aussi l'installation. Donc on aide les jeunes agriculteurs à s'installer, à créer des domaines, ou alors à les reprendre comme c'est le cas ici. C'est compliqué, il faut souvent le problème du foncier, le problème tout ça, on essaye de faire en sorte que ça se passe mieux, c'est toujours compliqué ceci étant. Hein. C'est toujours compliqué, le principal problème c'est souvent le foncier, c'est très souvent ça. Voilà. Après le reste, c'est des problèmes peut-être de trésorerie aussi, il faut vraiment... La chambre, toi c'est plus... celui qui veut prendre la relève, dire il y avait ça, moi tu sais je suis plus là, on passe d'une femme à un homme, est-ce que ça change aussi dans l'envie du vin qu'on a de... ça change oui, ça change. Il y a toujours l'envie du jeune vigneron d'avoir un nouveau matériel, plus moderne, plus perfectionné. Il y a aussi le fait que quand on change de propriétaire, il y a ce changement de style de vin, et il faut adapter le matériel au style de vin du vigneron. Voilà. Donc, Laurent Simon-Paul, toujours avec nous derrière la caméra. Laurent, jette un coup d'œil, tu vas voir des ombres qui travaillent. Alors, on va pas rentrer dans la cave parce que c'est... Oui, Guillaume nous dit, on est avec nos amis internautes. Oui, le son est revenu, nous dit Guillaume. Bernard nous fait coucou. Super le son, nous dit Alain Focus, il est revenu. Anne-Marie nous fait des cœurs. Christian Bénéfort, on t'embrasse, Christian. Tu nous suis. Jean-Marie Patiogne, IPG, je te suis. IPG te suit. Alors, IPG, c'est le service d'élevage de la Chambre d'agriculture. Ah là. Voilà. Alors, Jeanne-Marie te suit. Nanou, Nanou. Voilà. Nous suit. Nanou. Oui. Eh bien oui, la Chambre d'agriculture. Un message à toutes les personnes qui sont à la Chambre d'agriculture, le chef de service, le service IPG et tout. Vous êtes obligés de partager sur vos pages perso et sur la page de la Chambre d'agriculture. Voilà, sinon je ne vous passe plus le bonjour. Le monsieur que vous avez vu là-bas, en train de travailler, je crois que c'est Marc, c'est ça? C'est ça, c'est Marc Pauline, oui. Alors Marc Pauline, on va lui dire de nous rejoindre peut-être. Hein. L'appellerie. Oui, appelle-le. Parce qu'on ne peut pas rentrer, sinon le réseau passe plus. On n'a pas le droit de rentrer. Ah oui, bah oui, on peut pas rentrer. Est-ce qu'on peut te voler 3 minutes une fois que tu as déplié ton tuyau?
On t'embête un peu, allez. Là, en fait, il vide le tuyau, en fait. Voilà. Il vide le tuyau. Voilà, le tuyau, il le vide maintenant. Là, on a... C'est des cuves béton ? Des cuves béton, oui. C'est, alors, il y a eu une époque... en œnologie, c'est sûr, vous en avez vécu. On était... On revient... on a un petit sur le bois, énormément sur le bois. Les amphores à aller, et c'est vrai que c'est là-bas. Enfin... Je te vois on marche un peu. Laurent, il a marché à reculons dans la caméra. Il y a une question, excuse-moi. Regardez. Rencontrez-vous des problèmes pour recruter des saisonniers pour la récolte, comme sur le continent? C'est Alarm Focus qui nous demande ça. Comment ça se passe, la récolte? Tu as commencé, toi? Oui, on a commencé. On a à peu près là, on a fait tard sur 25. Non, pas trop pour l'instant pour trouver des vendangeurs. Après, nous, on a un petit domaine. On a maturité en même temps, donc j'ai une petite, enfin, équipe entre guillemets, je prends 10 personnes et j'en ai à peu près au moins la moitié qui reviennent de 7-8 ans. On va, et après, on vient de celle-là, on peut aller sur celle-là. Ah, et on peut, bon, il n'y a plus de raisin là, mais c'est celle qui a été vendangée. Déjà été vendangée, c'est un chacaré. Est-ce que en amont, quand juste tu as choisi les c'était des idées de se dire, elles vont arriver à un temps, donc on mettra des. C'est, on va dire, 15 et 18 groupes. Pour les sangliers. Les sangliers. Ouais. Les sangliers, ils marchent avec le groin au sol. Hein. Ah oui. Oui, ça a gratté, tu vois. Alors là, on voit le sanglier qui a gratté. Voilà. D'après moi, il a dû prendre beaucoup de jus. Là. Là, d'après moi, il s'est pris une. non. Ils sont... Quoique, non, je les laisse brancher même en journée. Hein. Ouais. Là-bas, on était sur des vignes qui dataient de 1972. C'est ça. Et ici, c'est un peu plus récent, hein, elles ont une vingtaine d'années. On parlait de l'évolution avec l'œnologue conseil. Quand on change comme ça, toi tu as envie d'amener quelque chose, tu récupères tout un historique, oui, évidemment. Celui de Cathy, celui de ta maman. Et est-ce que tu veux apporter, toi? Et apporter plusieurs choses, c'est sûr, des nouvelles cuvées en blanc, en rouge. Après, un truc que j'ai pas le droit de changer, c'est le rosé gris. Bon, j'en ai pas l'envie. Hein. Ça, oui, d'un autre côté, on le changera pas. Alors, non. Pour ceux qui n'auraient pas entendu, on rentre. Allez, pour ceux qui n'auraient pas entendu, le rosé gris, c'est, je regarde un peu ça. Alors ça, pour ça, je vais vous montrer. Ça a envahi la Corse depuis une dizaine d'années. Alors chacun lui donne son nom. Nous, dans le sud, on appelle ça l'herbe à clous. Mais je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est terrible. C'est terrible, ouais. Et encore là, elle est fraîche, ça va. Mais ouais. Après, quand elle est durcie... C'est sur des sols souvent un peu secs, concurrents. Elle s'installe. Celle-là est en danger il y a... 4 jours maintenant, 4 ou 5 jours, ouais, à peu près, oui. Le produit de la vendange, il est où maintenant? Il est en cuve. Ça, c'est pour le rosé gris, donc ça a été pressé, ça a débourbé. Ça a débourbé. Ah oui. On stocke les bien sûr, au froid, en fait, ça a débourbé. Pour laisser déposer tout ce qu'on appelle les bourbes, c'est des parties solides qu'on va évacuer. D'accord. Ouais, en gros, c'est comme une filtration, mais passive. Voilà, on peut dire ça. Allez. On débourbe, tiens, je retourne vers l'œnologue. On débourbe ensuite? Ensuite, on attend, on lance la fermentation alcoolique, tout simplement. On marche. Moi, j'aime bien, on est dans ce sillon. C'est un moment vraiment pointu pour l'œnologue, ce moment de vinification. Qu'est-ce qu'on surveille? Le degré d'alcool, l'acidité. Les acidités, on surveille l'évolution climatique aussi. On est de finir de tous les présents. Beaucoup toujours.
Guillaume. Rassure. Hein? Juste tu l'arraches, ça continue. Oui, je l'arrache, il faut juste que je puisse l'arracher. Allez, 2 secondes. Deux fois. Au grand mot, oui, au grand mot. Mais du coup, je vais pouvoir ranger ça, ça va être beaucoup plus pratique. Par contre, on va s'approcher du coup. On s'approche de Laurent. Allez. On va s'approcher de Laurent, on va rentrer sur le même sillon que Laurent et il va nous confirmer que du coup, c'est mieux. Au grand mot, les grands remèdes. On va parler un peu fort pour que vous entendiez et vous allez nous confirmer que tout va bien. On était juste en train de se poser la question sur comment se passe la relation entre ton œnologue, ou toi, et l'œnologue conseil. Il n'y a pas de certitude sur le vin que tu veux faire ou que toi tu aimerais faire. C'est vraiment un échange, un partenariat. C'est un échange, bien sûr. On demande des conseils, on est encore jeune, on se pose plein de questions. Parce que le vin, il évolue, on agit dessus, mais on ne sait jamais vraiment comment ça va évoluer. Donc des fois on a des points noirs, on se pose des questions et on échange avec Michel, s'il a des idées, il nous donne des conseils. Et moi je suis pas là pour imposer une vue, ma vue, je suis pas là pour imposer mon style de vin. C'est avant tout le vin de Marc et je travaille avec lui pour faire le vin de la façon dont il veut le faire. Bon, on a bien compris que sur le rosé gris, il était hors de question d'y toucher parce que aujourd'hui on connaît tous beaucoup de rosé gris qui existent. Hein. Si on peut juste rappeler, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, le rosé gris en Corse. Et c'est mon grand-père qui a fait le premier rosé gris de Corse en 76. Voilà. Ma mère serait là, elle dirait 77, mais oui, il y a bataille sur quelques mots. 77, 76, allez, voilà. On va pas batailler, ouais. Mais c'est quand même voilà, c'est quand même Landry qui a lancé le rosé gris en Corse. On peut le dire, bien sûr. Aujourd'hui, le fait qu'il y en ait beaucoup, on pourrait croire que ça t'ait pris une place, ça aurait pris au domaine. Et pourtant, le rosé gris Landry, il reste une référence. Et on espère qu'il va le rester encore un petit peu, non. Mais nous, on n'a rien changé, on essaie de faire toujours la même chose, il plaît beaucoup, il plaît encore. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une référence. Moi, j'espère que ça va le rester et qu'on va continuer comme ça. Hein. On parle du bio. Oui. C1, on a dit C1, donc c'est ta première année, on va dire, totalement sans produit, enfin respectant la charte bio. Oui, on est dans deux en ans, C1, conversion voilà, C1, première année. Conversion première année, dans 2 ans, tu pourras... sur l'étiquette, 3 ans. 3 ans en 3 tout, ans, ouais. 2 ans de plus donc, on pourra mettre le logo sur l'étiquette. Pourquoi? Pourquoi tu es passé en bio? Je sais pas, on Est-ce a que toujours tu y crois? été quasiment comme en bio. Oui, bien sûr qu'on y croit, mais je dirais encore, attention, hein, je dis ça, il y en a qui vont peut-être, mais ça paraît pas compliqué. Je veux dire, nous, pour les produits, pour les traitements, on a toujours utilisé des produits de contact, donc c'est ce qui est certifié bio, donc on a droit. Et après, voilà, il faut réussir à gérer un peu l'air. Bon, là, on voit qu'on est dans une parcelle où ça a un petit peu poussé, après c'est... C'est pas des trucs énormes quoi, ça s'enlève facilement, mais en Corse tout est fait pour réussir à être en bio facilement. Après, je pense que c'était Est-ce que c'est grave de toute façon si sur une parcelle il y a quelques herbes comme ça ben qui après poussent. Une année comme ça où on a eu plus d'eau en Corse, on s'en rend bien compte, c'est peut-être un peu moins grave, mais après voilà, il faut bien gérer l'herbe pour pas qu'elle concurrence en eau la vigne. S'il y a beaucoup trop d'herbes et qu'elle pompe beaucoup d'eau, la vigne va avoir des problèmes. Prend l'énergie. On a dit c'est important d'enlever toutes les herbes. Travailler vraiment le sol et d'enlever vraiment tout le couvert végétal
indésirable. Bon, voilà, comme ça j'ai bien dit une bêtise. Moi j'étais en train de dire que ce n'était pas grave. Ouais. Et c'est bon, on s'est mis d'accord. Oui, ça prend l'énergie. Elle est sèche. Un peu. Après, il faut la gérer. Sèche. Si elle est coupée à rack, elle est bien gérée. Il y en a plein qui arrivent à l'utiliser comme ça. Là, on voit celle-là, elle est moyennement gérée. On va s'en occuper d'ici peu. Bon, là, maintenant, on s'est concentré sur les vendanges. Mais... Oui, bon, celle-là, elle a été vendangée. Il reste quelques. Les petits grappillons. Les petits grappillons. Ouais, grappillons. Un peu après. Bon, ça, c'est pas très grave. Ça, on les vendange pas. C'est pas très grave, ça. On parlait de cuves de. De cuvées particulières, de micro-cuvées, oui. Y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Toi ? Moi, je suis complètement pour, oui. Ouais. Oui, ben nous, ça nous permet de nous exprimer, d'essayer de nouvelles choses, d'essayer un assemblage de cépages différents, d'essayer des monocépages qu'on n'a jamais utilisés. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est pas un cépage corse, mais on a une vieille vigne de Carignan, de 1965, qui fait des tout petits rendements, qui fait des très bons raisins. On l'a utilisé juste pour faire des cubiques, qu'on vendait un petit peu à la cave comme ça, pour les habitués qui ont toujours pris du vin en vrac. Et depuis 5 ans, on s'est rendu compte que c'était vraiment excellent, ça faisait vraiment des super baies toutes petites. Bon, donc on s'est tenté une petite cuvée comme ça. C'est quoi, c'est aussi l'idée, ouais. Excuse-moi, au niveau commercial, de se dire, je fais une cuvée particulière, ouais. Si elle trouve son public, pourquoi pas après la développer, mais si elle ne trouve pas, c'est pas très grave, ça remet pas en cause le rosé gris que j'ai... Non, non, les cuvées qu'on a déjà, on les changera pas, on les continue. C'est vraiment apporter un petit plus. Bien sûr que le côté commercial est important, mais c'est vraiment pour nous. Vraiment essayer, voir ce qu'on arrive à faire. Nous, on est aussi passionnés de vin avant tout. Et voilà, réussir à faire des choses différentes, encore meilleures, enfin encore meilleures, surtout différentes. Et faire peut-être plus de vin de garde, parce que moi, avant, on ne faisait pas beaucoup de vin de garde. Maintenant, on a un blanc qui est élevé dans le bois, qui va être un blanc plutôt de garde. Pareil pour ce Carignan. Tiens, l'œnologue, voilà. Oui. Le monsieur parle des vins de garde. Oui. Souvent, on a dit que le vin corse, c'est bien, j'ai même pas besoin de poser la question, il sait déjà où je l'emmène. Oh vas-y, oui, allez, fais-toi oui. Plaisir. Est-ce que le vin corse peut être un vin de garde? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On a bien goûté des vins, moi j'ai déjà goûté des vins qui datent de fin des années 70. Mm-hmm. Ça tient toujours la route. Tout dépend de la façon de le faire. Après, c'est toujours la même chose. Si on a des beaux raisins, si on a des raisins qui sont très mûrs, on peut arriver à faire des très beaux vins de garde. Après, si le vigneron veut faire des vins pour être consommés rapidement, on n'a aucun moyen, on n'a aucune raison de travailler pour le vin. Non, voilà, c'est un choix. C'est un choix, mais je confirme, les vins de Corse sont des vins de garde. Peuvent être des vins de garde si on le décide. Couper l'herbe et la laisser sur place pour éviter l'évaporation du sol, c'est bien, mais est-ce qu'aucun champignon pathogène ne se développera avec cette sécheresse? Avec sécheresse, non. Non. De toute façon, c'est vite fait. Aucun risque. Dès que c'est chaud. Après, pour l'herbe posée au sol, ça peut être très bien. Mais c'est encore, du paillage, une sorte de paillage. Oui, bien naturel. Sûr, ça se fait très bien dans les potagers. Il y en a peut-être qui le font un peu en vide. Mais le problème qu'on a, nous, encore, c'est qu'on a une zone à feu qui est très dangereuse. Si on laisse de la paille partout dans les vignes, ouais. Et qu'il arrive le feu sur le maquis, si la vigne est propre, il n'y a pas de feu. Ouais. Et je crois que c'est déjà arrivé d'ailleurs un vigneron corse, il me semble. Un vigneron qui s'est fait brûler toute sa vigne. Oui, là, c'est moins drôle. Parce qu'il était en paillage. Exactement. Ah, ouais, c'est sûr que c'est. Coucher l'herbe, ouais. On peut coucher l'herbe avec des rouleaux FACA, avec plein d'outils maintenant qui existent, on couche l'herbe. Bien sûr, ça permettrait de garder un peu d'humidité. Mais pas trop d'humidité, parce qu'après, tu as le champignon qui peut venir. Aussi. On retourne à la cave, on va essayer de voir. Ah, c'est quoi? J'avoue, on continue de parler fort et de pas trop s'éloigner de Laurent avec ces soucis de problèmes techniques. Mais on. Bon, je te dis la vérité, si on arrive à se croiser, Cathy. Ça doit bien être quelque part. Oui, elle se cache un peu. Elle se cache un peu. On va essayer. Elle est boss, elle boss, on va l'appeler. Allez, on va essayer. Nous, on est en détente parce que les vendanges elles sont un petit peu en pause là. Mais... Cette année, c'était un peu particulier avec ce printemps humide et puis ensuite le mois d'août qui a réussi à sécher un peu. On a eu peur chez les viticulteurs que. Après trois ans de sécheresse, de se dire que cette année ça va être l'enfer parce que toutes les maladies vont se développer. Non, au contraire, c'était plutôt vraiment un soulagement de voir enfin la vigne pousser. On serait passé là l'année dernière, là toute la zone là, il n'y avait plus de feuilles. Tout ça là, on voit, il y a encore des feuilles vertes. Là, toute la zone c'était tout séché, on va dire. Voilà, comme ça, toutes les feuilles qui étaient là, elles étaient toutes comme ça. On voyait vraiment que la vigne elle n'en pouvait plus. Elle avait passé l'hiver, il n'y avait pas eu d'eau, l'été, pas d'eau. Ici, c'est des vignes où on n'a pas de goutte à goutte, donc vraiment ça a morflé vraiment, vraiment sévère. Non, au contraire, nous, à chaque pluie qu'on a eu, on était contents. Après, bien sûr, on se plaint toujours un petit peu. Hein, quand il y en a trop, c'est trop. Mais moi, en tout cas, de ma jeune expérience, je préfère avoir une année comme ça. Oui, une année comme l'année dernière. Une année comme les deux dernières années. Oui. Au moins, cette année, on rentre des raisins, la vigne est belle. On va prendre un shoot, là. Oui, attention à la clôture. Attention à la clôture électrique. On va prendre un shoot, là, attention. Hein. Voilà. Voilà. Moi, je préfère clairement avoir une année comme cette année. Hein. Allez. Pour l'année prochaine, si on peut avoir la même année, je signe. Ouais. Parce qu'on a bien géré, parce qu'on a la chance de ne pas avoir eu trop de maladies, parce que. Voilà, en fait, ça va avec tout. C'est le cas parce que de la balagne. Voilà, la balagne, il y a eu quand même eu un petit peu d'eau au printemps.
et aussi la chaleur, donc ça fait. Ouais, nous on voit ici, c'est vrai que ouais. Chez d'autres vignerons, ouais. L'année a été un peu plus complexe. Ici on voit qu'on est vraiment dans un microclimat, on est entre les montagnes là-bas, on a la mer là, donc on prend pas autant de pluie que peut-être aux alentours, que peut-être ouais. les amis vignerons qui sont sur Loum, sur Dille. Et puis de l'autre côté, apparemment, ils ont pris peut-être un peu plus. Ils ont pris un peu plus. Hein. Plus. Eux, l'eau, ils commençaient à en avoir un peu. Ah oui, on a senti. Hein. Ça va un peu plus marre. Ensuite, comment dis toi, puisque tu récupères le bébé, c'est quoi? C'est continuer tes petites cuvées, c'est. Ouais, c'est, continuer à essayer à faire du bon vin, à faire découvrir le Clos-Landry au maximum, tu exportes à pousser les vins corses. Non, pas du tout pour l'instant. Forcément, hein, ce matin, on discutait avec quelqu'un qui exporte plus un tiers carrément de sa production à l'étranger. Ouais. Je ne parle même pas du continent, mais à l'étranger. Toi, c'est zéro. Non, oui, c'est un tout petit peu sur Paris, ouais. Mais à l'étranger, non, mais rien du tout pour l'instant. Ouais. Après, des particuliers, s'il y a des particuliers qui viennent, oui. On a envoyé 12 bouteilles en Allemagne, bon voilà. Mais oui, oui, mais ça, c'est non. Le touriste qui vient ici. Voilà. Et qui c'est pas de l'export. C'est pas de l'export, non. Voilà. Non, non. Pourquoi? Parce que ta production ne te permet pas, tu es déjà trop. Pour l'instant, oui, c'est ça, on a la chance de tout vendre. Donc. Oui. On se pose un petit peu la question, on fait 2-3 dégustations avec. Et là-bas. Elle est là. Ah mais maintenant qu'on a parlé d'elle, elle va être obligée de venir. Elle va être venue. Allez, Cathy, viens. Allez, on est entre nous. Alors, je te ferai bien bisous. Oui, mais je te déconseille. On a eu un peu chaud. On a eu un peu chaud. Dans la vigne, voilà, j'ai bien allez, compris. On va faire comme si Marc n'était pas là. Oui. Hein, voilà. Tu n'écoutes pas Marc. Hein. Dur, et comme d'accord. Si Mickey n'était pas là non plus, tu passes le bébé un peu. Oh, complètement, un peu. C'est pas compliqué. Complètement. Non, pas du tout. Non, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Non, parce que des fois c'est difficile d'envisager. Je suis devenue la mère de Marc. Et Marc, le papa de la vigne. Voilà, non, ça ne m'a posé aucun problème. Bah, très content, il est beaucoup plus passionné que moi, donc c'est très bien. Alors, écoute-moi bien, j'ai des souvenirs, on était au bord d'un canal, ouais. Les pieds dans l'eau. Mmh. Je suis désolé, la passion, on la sentait beaucoup. Ouais. N'essaye pas de nous faire croire que tu as fait ça par hasard. Non, combien non, de temps par hasard, tu t'es occupé du domaine, toi? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Ouais. Quand même. Oui, quand même, oui. Et non, puis, mais c'est pour ça que je suis contente de passer le relais. Non, mais c'est un métier fabuleux, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais bon, c'est vrai que c'était difficile, c'était pas évident, c'était pas la voie que j'avais choisie. Donc, les règles apprennent tous plus ou moins sur le tas. C'est pas. Ouais, mais c'était une belle aventure. Hein. Oui, oui, une belle aventure. Non, puis j'ai fait le lien entre mon père et mon fils, c'est surtout ça qui me satisfait pleinement. Le côté humble de Cathy qui dit oh, tu sais, moi, j'étais juste là par hasard pendant 20 ans. Non, mais... Il y avait mon père là, il y avait mon père, il y avait mon fils. Oh, j'ai fait la transition. Voilà, j'étais intérim. Voilà. J'étais intérim du vin pendant 20 ans. On pourrait dire ça comme ça. Intérim du vin, mais pendant 20 ans. Merci Cathy. On ne t'embête pas plus. Je savais que tu ne voulais pas qu'on t'embête. Voilà, voilà. On l'a embêté deux minutes, on te laisse tranquille. C'est marrant parce qu'on retrouve ce que tu disais. Ouais. Ça se passe tout en douceur, cette transition. Et mais elle regarde quand même un peu. Ah, elle est toujours là, bien sûr. Bien sûr. Juste avant de vous abandonner, alors là c'est plus l'œnologique qui nous concerne, c'est plus la partie commerciale. On en parlait aussi ce matin. C'est compliqué de jongler entre un métier d'agriculteur, un métier d'œnologue, un métier de transformateur et un métier de VRP. Il faut faire tout ça. Aujourd'hui, les gens demandent à personnifier le vin. Et aujourd'hui, le Landry, c'est toi. Oui. Est-ce que tu as conscience qu'à un moment donné, il va falloir que tu montres ta fatch? Bah, tu en as un peu conscience, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est une partie du métier qui malheureusement qui te plaît? Non, l'échange c'est agréable, bien sûr, l'échange est super. Mais, oui. Mais ça fait mais partie, il faut le faire, c'est un des nouveaux métiers. C'est vrai que moi j'aime bien rester dans mes vignes, trader un peu. Mm-hmm. Mais non, voilà. Non, mais oui. Ça fait partie du jeu maintenant. Ça fait partie surtout du jeu, bien sûr. Surtout quand il va falloir que tu commences à t'exporter parce que tu vas développer les ventes. Ouais. Et il va falloir que tu commences à parler anglais, chinois, japonais. Bon, ça, on verra. Hein. Je prendrai un traducteur. Hein. Merci. Je sais que tu as plein de choses à faire. Un petit peu. La cave est là-bas. Je vais te laisser retourner travailler. Et nous, on va aller se dire au revoir avec Mickey. Allez, ça va. Et terminer avec l'œnologie. Merci avec de nous plaisir. Avoir reçus. Non, rien, enfin. Et puis, une fois que c'est terminé, on peut goûter un peu. Ça va. Avec modération. Avec modération, voilà. Ouais, ça va, avec modération. Ça va, modération. Merci Omar. Bien sympathique ce domaine. Oui, ce domaine. C'est ça aussi, travailler ici. L'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu connais énormément de domaines, oui. Tu les connais tous, hein, quasiment tous. Ce côté très doux, on a vu Cathy, la transition, le plaisir de la vigne, mais sans tension. Le plaisir de faire un produit de qualité sans céder aux sirènes qui peuvent passer quelques fois sur des vins de couleurs bizarres.
c'est important. On a dit qu'on n'en parlait pas. J'ai rien dit. Tu ne cèdes pas aux sirènes, il ne cède pas aux sirènes du buzz médiatique. Voilà. Ils restent dans leur route. Ils restent tranquillement sur leur voie. Bon, on va vraiment se dire au revoir dans 2 minutes sur ces bruits, mais juste avant. Et toi ? Dis-moi quoi, moi ? Et toi ? Pourquoi ? Pourquoi œnologue et pourquoi pas vigneron ? Non, voilà, c'est le quand foncier, tu as dit c'est le vrai problème, c'est le foncier. Ouais, tu aurais aimé. Oui, je pense. Ça m'aurait fait plaisir. J'aurais bien aimé être. Je fais du vin depuis plus de 20 ans maintenant. C'est vrai qu'à un moment, j'ai envie de faire un peu mon vin. Pour l'instant, je suis très bien dans mon rôle. Comment il gère la revue ? Il est jamais trop tard, je sais. Je suis très bien dans mon rôle. Ouais. Bien derrière. Finalement, le fait de ne pas avoir fait vigneron de ta vie, c'est aussi une façon d'avoir fait plein de vignerons de ta vie. J'ai fait plein de métiers différents, plein de vins différents. C'est appréciable aussi ça. Entre toi et moi, est-ce que tu as réussi à faire ton vin tout à l'heure ? Tu disais j'aurais bien aimé faire mon vin. Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit voilà, avec ce vigneron, il se trouve que là, cette fois, il a fait le vin que moi j'aurais fait. Et si tu dis oui, tu vas être obligé de dire qui ? Alors j'irai mal. Tu ne seras pas obligé. Alors on dira oui. Oui, ça m'arrive, mais c'est vrai que je travaille beaucoup avec un vigneron en particulier. C'est vrai que on arrive quand même à faire des choses. On est en symbiose, sur beaucoup de choses. Dessus, oui, c'est vrai. Oui, je regarde une dernière fois nos amis internautes, voir s'ils nous ont posé des questions. Et malheureusement, on n'aura pas toutes les réponses, mais bien entendu, ils peuvent te contacter directement à la Chambre d'agriculture s'ils ont besoin de toi. Si je suis viticulteur et que j'ai besoin, je n'ai carrément plus accès. Tu m'as dit que tu travaillais beaucoup en symbiose, qui s'appelle comment ? On n'en parlera hors caméra. Bon, je vous mettrai en commentaire. Colorant a coupé la caméra. Allez, on en parlera. Merci d'avoir été avec nous pour ce direct depuis le clos Landry, ici au bout de la Balagne. On est juste au-dessus, pour ceux qui ne connaissent pas, juste au-dessus de Calvi. Et on va être entre l'aéroport et Calvi. Bien entendu, vous pouvez venir ici à la cave si vous voulez acheter, rencontrer Marc, rencontrer Cathy. C'est aussi ça le principe de ces exploitations familiales. On y est accueilli, là on vient de voir une voiture qui arrive, qui va sûrement acheter un peu de vin. Allez rencontrer les viticulteurs de votre région, c'est important, vous verrez, vous découvrirez plein de passions et de gens très intéressants, et c'est toujours un plaisir. Merci, et encore pardon pour ces petits soucis techniques qu'on va régler avec le fer à souder ce soir. Je ne serai pas obligé de porter la voix aussi fort demain pour vous, vous parler, ni après-demain. On va faire quoi ? On va aller au CRVI. Aller chez Gwenaël, elle est en bio, elle est plus ancienne, elle est en C12, elle est en bio depuis longtemps. Et ensuite on continuera et on terminera toute cette semaine dans la région d'Ajaccio. On va carrément prendre le sécateur, on sera au domaine Peraldi. Merci à Laurent Simon-Paul d'avoir marché en marche arrière, merci à nos amis internautes. Vous retrouvez ce direct sur la page Facebook de France 3 Corse et aussi sur la page YouTube. Si vous ne vous abonnez pas, on n'est pas content, alors faites-le. Allez, à demain. Ciao.